Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Ghost Recon Breakpoint, un jeu qui sortira le 4 octobre 2019, le jour de mon anniversaire. Voilà, c'est juste pour vous le rappeler. Encore une fois, je retiens à remercier Ubisoft pour l'invitation. C'était juste un très bel événement. J'ai pu tester pas mal de choses, dont cette vidéo que vous allez pouvoir voir, qui va durer une vingtaine de minutes, où on découvre le mode histoire en solo. Il y aura aussi une seconde vidéo qui parlera du mode PvE en coop, et une autre vidéo qui va aborder le PVP, parce que oui, le PVP sera disponible dans ce Ghost Recon Breakpoint. Nous étions sur la version PC en 4K, voilà, donc c'était vraiment optimal. Bien entendu, le jeu sera aussi disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Ce sera déconseillé logiquement au moins 18 ans, parce qu'il y a du sang et de la violence. Comme je vous l'ai dit plus tôt, vous pouvez jouer au jeu en solo ou en multijoueur, avec des amis ou même avec des gens, je pense que vous pouvez trouver en matchmaking. Cette vidéo, c'est le début du jeu, donc oui, ça peut spoil. S'il y a des gens qui veulent pas voir le début du jeu, bah, n'hésitez pas à voir les autres vidéos qui ne spoileront pas. Celle-ci, dès qu'il y aura une cinématique, je me tais pour que vous puissiez vous imprégner des cinématiques. Le point un petit peu négatif, c'est que le jeu est en anglais dans cette session. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais quand même, après voilà, il y a les sous-titres, normalement, ça devrait le faire. La cinématique commence, on reprend une fois qu'elle est terminée. C'est parti! Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building tomorrow. Damn it.
Et là, vous devez vous dire, mais est-ce que le jeu sera disponible en français? C'est une question qu'on pourrait se poser, vu le début de ce que je vous ai raconté. Eh bien oui, vous inquiétez pas, il y aura les voix en française, il y aura aussi les sous-titres, etc., etc. Au début, on arrive comme ça, c'est une sorte de tacticiel, on nous apprend à manier les différents outils qu'on va avoir, la personnalisation, etc., que je vous en parlerai durant une prochaine vidéo, par contre, au niveau de la personnalisation. Là, voilà. Au niveau du bandage, on peut voir que ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps de se soigner par rapport à Ghost Recon Wildlands, parce que le Breakpoint fait suite à Ghost Recon Premier du Don, le Wildlands, je parlais. Là, on n'est plus sur la même île, on n'est plus en Bolivie. Je vous fais vite fait le petit speech pour ceux qui se poseraient la question. Eh bien, vous prenez place sur l'île Doroa, une île fictive qui se trouve au beau milieu du Pacifique. Voilà, elle est contrôlée par des personnes, une meute de loups, et on va devoir faire ça face à tout ça. Comme dans le premier, on aura des zones avec des différents niveaux, et bah, plus on va monter de niveau, plus on pourra aller dans ces zones, etc., etc. Durant cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti, de ce que j'ai eu durant cette première prise en main. Parce que là, vraiment, je venais de jouer. On n'a pas testé avant. On nous a juste expliqué un peu ce qu'était le jeu, qu'est-ce que nous pouvions faire, etc., etc. Et bien entendu, je vous parlerai des points positifs et des points négatifs que j'ai pu observer durant cette phase de test. En parlant de phase de test, une bonne chose, c'est pas mon shoot qui était un petit peu mauvais là à ce niveau-là, c'est qu'il y aura une bêta. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des clés, logiquement, Ubisoft m'en fournira un certain nombre à vous faire gagner sur Twitter. Donc n'hésitez pas. Le Twitter est dans la description, et la bêta sera disponible du 5 septembre 2019 au 8 septembre 2019. Voilà, donc si vous voulez, par contre je ne sais pas si ce sera du solo, de la coop, ou du PvE, PvP, je ne sais pas du tout. Moi je dirais que ça serait du PvP et un petit peu de PvE, mais pour pas dire de bêtises, voilà, je dis rien à ce niveau-là. Au début je voulais tester un petit peu tout ça, je me suis dit, s'il faut que je fasse une découverte, il faut que je vous montre un petit peu les choses. On peut récupérer les ennemis. Imaginons que vous avez tué un soldat et vous savez que son collègue va faire une ronde. Bah vous le prenez et vous pouvez le déposer où vous voulez. Je vais vite le déposer, mais c'était vraiment juste pour vous montrer. Voilà, on peut récupérer les soldats. On peut les mettre dans un... Voilà, comme je vais le faire, pour pas se faire repérer. Au niveau de la carte, vous avez pu voir quelque chose en rouge. C'est les ennemis. Le point jaune, c'est l'objectif à atteindre. Et après, le reste, ce sera à moi de découvrir au fur et à mesure. Faut surtout penser à looter, parce que le loot est très important. Comme maintenant, hop, on récupère une arme, et c'est là qui est plutôt intéressant, parce qu'on va, voilà, je me suis trompé de touche, on va pouvoir équiper une nouvelle arme, et ainsi de suite. Par contre, faut faire attention, parce que parfois, quand vous récupérez des nouvelles armes, elles ne sont pas équipées de silencieux. Donc, il va falloir faire un petit peu attention. Là, c'est le hub principal pour notre personnage. On équipe notre arme, hop, et ce sera pareil pour la casquette, pour les gants, pour l'arme au poing, etc., etc. Je tiens aussi à m'excuser si le commentary n'est pas forcément parfait. Je suis vraiment pas habitué à faire des vidéos en différé, c'est-à-dire de capturer du gameplay et ensuite de commenter. Moi, je préfère commenter en live, je préfère ça. Mais j'avais pas osé le faire en live parce que bah, les gens qui étaient à côté de moi, je pense qu'ils voulaient du calme. Et si j'avais commenté, voilà, ça les aurait dérangés. Et mon but, c'est pas forcément d'embêter les gens. Même si de l'autre côté, on avait Eyar et Master Snaku qui gueulaient à tout va. Après, c'est leur personnage, hein, ils sont comme ça, ils sont très gentils d'ailleurs, dédicace à eux. Et à toutes les personnes qui étaient présentes, Jonathan de chez Ubisoft qui s'est très très bien occupé de nous. Merci à lui. Vous avez pu voir aussi une des spécificités de Ghost Recon, qui était dans Ghost Recon Wildlands premier du nom, c'est qu'on peut viser soit en première personne, soit en troisième personne. Personnellement, moi je suis un mec qui adore les TPS, donc la visée sera à 99% en troisième personne, mais si vous préférez viser en first person, vous pouvez. Voilà, moi c'est ce que je préfère comme ça. Les snipers, par contre, vous verrez peut-être un peu plus tard une phase où on peut viser à la première personne, que la sniper, voilà, à troisième personne, c'est au jugé, mais c'est pas forcément ultra précis. Et comme vous pouvez le voir, le jeu est assez beau. En même temps, en étant en 4K, donc c'est vrai que ça dépotait bien sur PC, bien entendu. Voilà ce dont je vous parlais auparavant, le fait de pouvoir customiser son personnage. Mais c'est pas que de la customisation visuelle. Par exemple, si j'avais mis la casquette, je crois que je vais la mettre, je sais plus très bien. Mais si vous la mettez, eh bien vous avez des points en plus par rapport à votre défense. Hein, c'est pas uniquement visuel, ça apporte vraiment quelque chose. Et là, regardez bien. Attention, vous êtes prêts? 1, 2. Voilà. 2 headshots pour moi,
vous pouvez laisser un petit like à cette vidéo, hein, ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas, bien entendu. Alors, cette mission-là, elle est vraiment assez simple dans son fonctionnement. Le but, c'est juste de pas te faire repérer, de prendre ton temps, de te cacher par moment. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu des points forts et des points faibles, à mon avis, voilà, de ce que j'ai testé. Après, c'est pas tout, bien sûr, c'est pas un test, c'est juste une preview. Alors, on va commencer par les points positifs, parce que c'est quand même plus sympa. Le premier point positif, c'est beau. Franchement, j'ai trouvé la végétation, l'atmosphère, les flammes, vraiment, tout ce que j'ai pu parcourir dans l'île, au niveau visuel, c'était génial. J'avais vraiment l'impression d'être limite dans un film où t'es genre Predator, tout ça. C'est juste génial. Ça, de toute façon, vous pouvez le voir à l'écran. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait être silencieux, mais je voulais quand même tenter le coup de la greu et de leur tirer dessus. Voilà, vous me connaissez, je suis un gros bourrin. Je suis comme ça. Bah, en parlant aussi de l'immersion qu'on peut avoir visuellement, j'ai trouvé au niveau sonore, après j'avais un bon casque aussi, ça aide beaucoup, c'est que au niveau du son, c'était juste très très bon. Quand vous tiriez avec l'arme, t'as vraiment le ressenti de vraiment tirer avec une vraie arme et pas avec un fusil de paintball ou qu'est-ce que tu veux. Il y avait aussi, voilà, quand vous tombez, ça fait un bruit bien stylé. Vous pouvez aussi par moment vous rouler dans la boue pour vous camoufler. Il y a le bruit du vent qui va contre les feuilles, etc. Et vraiment, quand vous avez un casque, là je parle, c'est pas forcément l'idéal. Mais au niveau visuel, même quand on marche sur l'eau, là, j'ai pas grand chose à dire. Après, vu que le jeu était en VO, bah, je peux pas vous dire comment est le jeu en VF, mais le premier avait une très bonne VF, donc je m'inquiète pas à ce niveau-là. Ensuite, on passe au troisième point, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, en fait, j'ai un petit peu spoil, c'est le bruit des armes. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi, c'est vrai que je suis pas le plus grand des... Je suis pas la personne qui s'y connaît le mieux au niveau du bruit des armes, mais j'ai trouvé celle-ci vraiment bien. Suivant l'arme que vous prenez, vous avez vraiment un bruit différent, etc. C'est vraiment top. Voilà. À ce niveau-là, c'est cool. On a aussi le point positif, je trouve... comme le premier, hein, c'est un point positif, mais le premier avait déjà ça. C'est le fait qu'on puisse personnaliser son personnage visuellement. On peut mettre vraiment plein de choses, mais il y aurait une vidéo dédiée par rapport à ça, pour toute la personnalisation de notre personnage. Mais avant toute chose, petite cinématique. Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Ugats. Contact, contact! Walker. Shall we, Weaver? Là, on a une chose assez intéressante, c'est qu'ici, on nous a dit, attention, les ennemis sont hyper hauts en level. Enfin, vous le voyez, quand je les marque, ils ont un sigle différent, mais en fait, la vidéo est éditée, c'est-à-dire que les moments un petit peu lents, ou le moment où je me suis dit, ça serait pas forcément intéressant pour vous, je les ai coupés pour que ce soit une vidéo courte et concise, mais par moment, vous allez rencontrer des ennemis qui sont par exemple level 50, et vous êtes level 2. Donc à quoi bon les affronter? Vous savez que vous allez mourir. Donc voilà, ça c'est une des choses, mais comme je vous l'ai dit, la personnalisation elle est vraiment très 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 poussée, que ce soit au niveau de notre personnage, du faciès, vous pouvez même créer un personnage très différent, avec des tatouages, sur tatouages, cicatrices, etc. etc. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais au début vous l'avez vu, hein. Vous pouvez choisir le personnage mâle ou féminin. C'est à vous de choisir si vous préférez jouer une femme ou un homme. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'était pas une version définitive du jeu. Le jeu sort dans un peu plus d'un mois. Donc vous inquiétez pas, c'est pas la version finale. Il y a pas mal de choses qui vont être corrigées au fur et à mesure. Et là, vous pouvez voir aussi les 4 classes qu'on peut avoir dans le jeu. Et une chose qui est assez intéressante, c'est que le mode histoire, le PvE en coop et le PvP en solo ou avec des amis, toute la progression est liée. C'est-à-dire, si vous gagnez de l'expérience en mode PvP, eh bien, ça monte aussi l'expérience en mode solo et en mode PvE en coop. Voilà, c'est une bonne chose. Et aussi, si vous dites, ah zut, j'ai choisi une compétence qui me plaît pas. Là, moi, je faisais un truc qui était bourrin. Voilà, c'est un truc qui a... Moi, j'aime bien être fonce dans le tas. Et vous dites, ah non, moi, finalement...
J'aurais peut-être préféré être médic. Eh bien, vous pouvez modifier ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Vous choisissez pas une compétence pour au final la garder jusqu'à la fin. Y a pas de souci par rapport. Je voulais aussi vous parler d'un point positif qu'on a bien. En fait, je vous parle de choses sans le vouloir, mais au final, je vous en parle. C'est l'XP au niveau PVP, PVE qui sont liés. C'est une très bonne chose. Il y avait aussi une autre chose que j'ai bien aimé, c'est qu'on a le choix pour la vue soit en FPS, soit en TPS. Et vous voyez qu'on est allongé, c'est assez stylé. Par contre, j'en parlerai au point négatif, il y a un petit problème par rapport à ça. Mais vraiment, vous voyez, quand vous êtes comme ça, là, à un moment, je vais ramper, etc., pour esquiver. Et après, il y a le bruit. Franchement, là, t'as vraiment. Franchement, quand j'ai fait la découverte, je me suis dit, c'est la guerre. C'est la guerre. Chaque balle compte, faut faire attention, on est en mode hardcore. Et bah, c'est le kiff. Voilà. Ça change vraiment du premier où tu peux vraiment foncer dans le tas. Bon, je pense que dans le jeu, au bout de 5-6 heures de jeu, c'est beaucoup plus bourrin. Mais le début te met vraiment dans l'ambiance. Et le début, hein, pour ceux qui se poseraient la question, on peut uniquement la faire en solo. C'est dès que vous arrivez à la fin de la première mission que vous pouvez jouer en coop. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Et le dernier point positif que j'ai noté, c'est que le jeu tournait très très bien. Visuellement, ça tourne. Il n'y avait pas un pet. Et c'est que les véhicules que j'ai pu tester étaient variés. Voilà. Il y avait pas mal de véhicules aériens, au sol, que ce soit des motos, etc., etc. Là, je vous fais un petit tour de la map. Il y a peut-être des personnes qui se demandent, est-ce que la map est aussi grande dans le Wildland premier du nom? Je pense qu'elle est équivalente. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Surtout à droite, là, on a un gros nuage. Donc, je pense qu'ici, on va pouvoir y aller, mais un peu plus tard, je pense. Hein. Après, je vous dis ça, c'est pas forcément sûr. Ensuite, on va parler un petit peu des points négatifs. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, on va avoir une cinématique. Donc, on reprend les points négatifs après la petite cinématique. Mayday, Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 555, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out. Au niveau des points négatifs, eh bien, j'ai noté que la caméra était un poil proche par rapport au premier. Hein, je ne sais pas si vous en souvenez, moi je m'en souviens très bien, parce que j'avais eu le platine du jeu, parce que j'avais adoré. Hein. Au bout de la 60e, 70e heure de jeu, avec des amis, quand on l'a vu ensemble, ça c'était vraiment très très bien. Mais je trouve que la caméra est un poil, un tout petit peu trop proche. Je pense que c'est pour donner une immersion et un côté réaliste. Mais au début, j'étais un petit peu en mode « Ah, mais c'est vraiment très très proche quand même. » Donc pour moi, c'est un point négatif et aussi un point positif. Parce que un point négatif, j'ai eu du mal à m'y repérer, voilà, pour être totalement franc avec vous. Mais ça reste un point positif. À la fin de la session, j'ai trouvé ça bien, voilà. Mais je vous dis, ça peut déstabiliser pas mal de personnes. Ensuite, il n'y a pas de marquage GPS au niveau des véhicules. C'est-à-dire, quand vous prenez un véhicule, voilà, justement, on arrive à ce moment-là, quand vous conduisez, eh bien, imaginons que vous mettez un point sur une map, eh bien, au sol, on ne vous dit pas par où passer. C'est-à-dire c'est à vous d'emprunter des chemins, etc., pour y arriver. Après, le plus simple, c'est souvent d'y aller en hélico, parce que l'hélico, ça va plus vite, tu peux aller à vol d'oiseau, et c'est beaucoup plus simple, mais peut-être qu'ils rajouteront ça dans la version finale, mais du moins dans cette version-là. Après, je ne vais pas toucher les options pour être totalement franc, mais il n'y a pas de marquage au sol, et moi, j'aime bien qu'on me dise où aller. Voilà, je suis un gros casual, j'aime ça. La conduite des véhicules se fait plutôt bien, pour ceux qui se poseraient la question, sauf que moi, il n'y a que la moto où j'ai trouvé ça un peu difficile, parce que les véhicules, tu fais frein à main, etc., tout passe bien. L'hélico se dirige bien, il est totalement arcade, et j'aime beaucoup. Par contre, la moto, bah, c'est un petit peu comme le premier, toujours une grosse difficulté. Si on doit le comparer à GTA, c'est clair que la conduite de la moto sur GTA est beaucoup plus simple et beaucoup plus fun. Là, elle est un petit peu complexe, je trouve. Mais sinon, pour vous donner mon avis sur cette session de jeu, parce que j'ai pu y jouer à peu près 3h, 3h30, c'était tout bonnement excellent. Ghost Recon Wildland était l'un de mes jeux préférés l'année où il était sorti. J'ai passé un très très bon moment avec mes amis. C'était juste la folie. Celui-ci, les personnes que je ne connaissais pas forcément, et on s'est vraiment bien amusé. Donc j'imagine même pas avec des gens que je côtoie, mes amis, etc. Ça va être très bien. Après, beaucoup de personnes trouveront peut-être que celui-ci est un Ghost Recon Wildland 1.5 plutôt qu'un 2.0 ou qu'un Breakpoint, parce que maintenant le nom n'est plus forcément pareil. Mais moi, franchement, je vous donne mon avis de vous à moi. J'ai passé un excellent moment. J'ai hâte que la bêta sorte pour pouvoir y jouer à nouveau. Je vous prépare dans l'immédiat, enfin,
Normalement, dès le lendemain, une nouvelle vidéo où celle-ci, je pense qu'on fera du PVP. Voilà, comme ça, on va affronter une autre équipe et pourquoi pas du PVE. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question, de la poser en commentaire. Je me ferai un réel plaisir d'y répondre si je suis en mesure d'y répondre dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi me follow sur Twitter si vous voulez gagner une clé et que vous voulez tester le jeu. Bah, faites-le, comme ça, je vous filerai la clé si vous gagnez. Nous arrivons à la fin de la première mission. C'est là où tout va se jouer finalement. On arrive au hub principal. Je vous le montre pas parce qu'il y a une grosse cinématique là qui peut vraiment encore plus spoiler que ce que vous avez déjà vu. Ce que vous avez déjà vu finalement, c'était pas grand chose. Il n'y a pas eu de spoil vraiment. Mais là, il y a eu beaucoup de dialogues, etc. C'est là où vous allez pouvoir lancer vos missions, etc., etc. Laissez un petit like si ça vous a plu. Moi, les petits loups, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!